Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, j'avais envie de faire un petit vlog. Je sais pas combien de temps il va durer, etc. Mais je nettoie le truc. J'ai quelques petits trucs à faire aujourd'hui, dont le fait d'aller poster le colis pour le concours de Noël. Donc tout est prêt, tout est dedans, j'ai juste à fermer la truc. Après voilà, j'ai quelques petits trucs à faire, donc je vais aller le poster. Comme ça je vous amène avec moi. Moi, je vais pas aller très loin, hein, c'est juste en bas de l'immeuble, donc voilà. Mais bref. Du coup, bah, je vais vous amener avec moi. J'espère en tout cas que ce vlog va vous plaire. Ça me manquait de plus vlogger. Hier, j'ai fait de la place sur mon téléphone. Comme ça, je pouvais vlogger. Donc voilà. Donc j'ai à jeter des trucs. J'ai un peu de tri à faire. J'ai un sac entier de vêtements que je pense que je vais aller amener au point relais, peut-être pas aujourd'hui. Et voilà, donc je pense que là je vais aller poster le truc. Après, je vais me faire un masque, je vais aller me doucher parce que j'ai les cheveux gras. Et voilà, donc ben, on va y aller. Hein. On va y aller, on va pas perdre trop de temps. Faut que je regarde aussi si on a du courrier parce que j'attends des trucs d'AliExpress encore. J'ai deux colis qui sont pas encore partis, dont un ça fait plus d'un mois que je l'ai commandé. Donc voilà, c'est deux palettes. Et puis j'ai commandé également des mèches de couleur. Parce que j'ai envie de changer un peu. Donc voilà. Et comme j'ai pas envie de me décolorer les cheveux, on y go. C'est parti, on va aller poster le colis. Bah du coup pas de colis pour moi. Je suis dégoûtée. Bon, du coup le colis pour le concours est posté. Donc Just Océane. Je sais toujours pas ton prénom. Mais bref, si tu vois ce vlog, il est posté. Et je crois que ça met genre 4 jours. Donc soit tu l'auras samedi, soit tu l'auras lundi prochain du coup. Je suis désolée, j'ai pas pu le faire avant parce que j'avais plein de choses à faire et j'étais malade en même temps. Du coup, je suis désolée, voilà. Mais bon, l'important c'est que tu l'aies, donc là tu vas l'avoir, y a pas de souci. Donc voilà. Du coup, je sais pas quelle heure il est. J'ai aucune idée de l'heure qui peut bien être. Il est 2h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon masque. Masque pour les cheveux, donc je vais prendre mon tailleur, un masque normal pour les cheveux. Je vais venir m'en mettre surtout au niveau des racines. Ouais, je vais voir si j'en mets vraiment sur tous mes cheveux ou pas. Et puis après j'irai me doucher. Bref. Puis j'ai quelques petits trucs à faire aussi pour mon projet qui va arriver début mai. Je crois que je l'ai dit. Je crois que je l'ai déjà dit, je crois. Donc c'est pas ici que j'ai fait ma to-do list. Elle est ici. Donc ah oui. Du coup j'avais ma to-do list. Du coup j'ai commencé ma to-do list comme ça. Donc c'est un truc qui vient de chez Action. Et j'avais marqué poster le colis du concours. Et après les autres trucs, je vais pas vous les dire parce que c'est pour le projet. Projet qui est ma boutique Instagram. Ma boutique sur Insta. Parce que si vous me suivez depuis déjà un petit moment, vous savez que j'ai ouvert une boutique en ligne sur Instagram en août. Ça a été une catastrophe. D'abord une boutique en ligne. Après j'ai voulu continuer sur Insta. Bon, j'ai eu quand même deux commandes. Mais voilà, c'était pas des produits que j'aimais et tout, j'ai juste vendu ça parce que voilà, je trouvais que ça se vendait bien et tout, alors que bah, ça me plaisait pas, donc je me suis dit tant pis, tu t'arrêtes et puis tu vends vraiment ce qui te plaît. Et donc j'ai trouvé ce qui me plaisait et ce que je voulais vendre, donc
C'est plutôt cool, sachant qu'il y aura ce sera pas des prix genre hyper élevés, ce sera des prix plutôt attractifs, on va dire. Voilà. Donc je vous montre pas encore maintenant ce que c'est parce que je vais attendre un petit peu. Mais voilà, le seul truc que je peux vous montrer, c'est ça. Voilà, donc vous savez qu'il y a des fossiles. Donc ça, c'est les boîtes. Sauf que ça va pas être genre comme ça. Ça va être avec ça en fait. Cette espèce de petit, je me pas lavande. Donc voilà. Alors en plus, je me suis plantée. J'ai foutu les Alice dans le truc Noah. Bon, c'est pas grave. Et donc l'arrière, c'est comme ça. Voilà. Donc je vous montre que ça pour le moment. Mais vous aurez plus de choses plus tard. C'est pour ça qu'il faut suivre mes vlogs. Mais du coup, ouais, au début, les vlogs, je m'étais dit, je vais les poster sur ma chaîne de vlog parce que j'ai une chaîne de vlog que j'ai démarrée il y a quelques années parce que je déménageais du sud-ouest. Et je m'étais dit que c'était intéressant. Puis moi, ça me faisait des souvenirs aussi. Et puis au final, j'ai un peu abandonné les vlogs. J'y suis revenue il y a quelques temps. Et puis au final, je vois qu'il n'y a pas énormément de personnes qui les voient et tout. Et je me dis que ça serait peut-être mieux si je faisais directement les vlogs sur ma chaîne. Donc j'ai fait les Vlogmas. Que je referai pas d'ailleurs l'année prochaine parce que je me sentais genre obligée en fait d'ouvrir mes calendriers tous les jours et c'était même plus un plaisir d'ouvrir les calendriers, c'était ouvrir les calendriers pour ouvrir les calendriers, pour faire des vidéos, pour faire des vues. Comment vous dire que à la fin, je crois qu'il m'en manque quelques jours parce que je voulais juste profiter d'ouvrir les calendriers de l'Avent comme je fais chaque année plutôt que de faire juste voilà, pour faire une vidéo. Et après le stress de il faut monter la vidéo, il faut l'exporter, il faut la planifier, machin. Ça me plaisait pas du tout d'être dans le rush comme ça. Donc voilà. Je brille ici, mais c'est du glow naturel, je crois. Bref, du coup, je vais aller faire mon masque pour les cheveux. Je vais laisser poser environ 1 heure. Et voilà. Par contre, en fait, je voulais juste vous parler d'un truc. Ça va être dans un prochain haul action. J'ai acheté ce lot de 3 peignes. Donc il y a celui-ci que j'ai utilisé hier, il est vraiment bien. Il y a celui-ci. Et il y a celui-ci. Il coûte 49 centimes le lot. Et franchement, ils sont bien. À part lui qui est vraiment très... qui va pas tenir très longtemps, je pense. Mais sinon, ils sont bien. Hein. Genre celui-là, franchement, ils sont vraiment bien. Genre, hop, ils bougent pas trop. Franchement, top. Donc je pense que je vais m'en racheter un lot tant que je les trouve. Parce que si j'en perds un, parce que moi je suis la reine pour perdre les trucs. Si j'en perds un ou si j'en ai un qui casse, au moins j'en ai un en rab. Bref, ma frange, c'est n'importe quoi en ce moment. Bref. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous montrer ça pour les personnes qui cherchent des peignes. Donc, bref. Donc, je vais me peigner les cheveux. Je pense que je vais me mettre d'ailleurs le haut de pyjama pour éviter de tacher du coup mes fringues. Voilà. Je pense que je reviendrai peut-être après pour vous montrer quel masque j'utilise. Je crois que c'est un. Non, je sais plus en fait. Bref. Du coup, j'allais faire mon masque et puis je reviendrai probablement après. Voilà. À toute. Bon, voilà. Je viens d'appliquer mon masque. C'est pour ça que j'ai les cheveux un peu gras. J'ai appliqué ce masque du coup parce que j'avais envie de tester de l'appliquer sur cheveux secs parce que je l'ai jusqu'à présent je le mettais du coup bah, comme ils disent, c'est-à-dire sur les longueurs et les pointes essorées. Et je mettais aussi sur le cuir chevelu surtout. Je le mettais sur le cuir chevelu et ensuite je faisais mon shampoing normal. Et là j'ai envie de tester du coup. Je pense que je vais le garder environ peut-être 1 heure. Peut-être un peu moins parce que je sais pas trop. Mais je vais le laisser un petit peu et puis comme ça je verrai si c'est à refaire ou pas. Sachant qu'il m'en reste presque plus. Enfin presque plus, j'en ai encore pour 1 ou 2 utilisations. Là on voit le fond ici. Mais bon voilà. Donc je vais tester, je pense que je vais le garder jusqu'à ce que ce soit plus très très gras ou quoi. Je vais peut-être le garder genre un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, un truc comme ça. Donc voilà. Et puis après j'irai me doucher. Voilà. Et je vais tester du coup aussi ça que j'ai acheté à Action aussi. Donc c'est le détox. Donc c'est au vinaigre de pomme. Spray détox. C'est où que c'est marqué? Pourquoi ils mettent spray détox, conne, vinaigre de cidre pour les cheveux ternes et stressés? Bref. Donc ouais. Spray détox au vinaigre de cidre adoucissant pour les cheveux, apaisant pour le cuir chevelu. Vaporisé sur les cheveux et cuir chevelu humide
et laver avant coiffage, ne pas rincer. Donc je vais tester, mais je pense que surtout après je vais garder cette bouteille, parce que ça sent absolument pas le vinaigre. Donc je sais absolument pas ce qu'ils ont foutu dedans. Mais du coup je vais tester, et si le truc du masque ça fonctionne pour mes cheveux et surtout mon cuir chevelu, mais dans ces cas-là, bah, je continuerai d'acheter pas ceux-là. Ceux de Action. Il me semble que j'en ai un déjà d'avance. Parce que je crois que j'en avais terminé un, mais il me semble que j'en ai un d'avance, un ou deux. Ouais, j'en ai au moins un. Vous savez, c'est ceux-là. Ceux-là sont vraiment bien par contre. Celui à la coucou. Et je voulais aussi vous remercier pour les... On est là 284, je crois. Donc c'est ouf. Merci beaucoup. J'ai eu énormément de vues. Je suis à presque 1000 vues. Enfin presque. Je suis à 800 et quelques vues sur mon rangement make-up. Donc merci de ouf. Pour le haul action, on a plus de 200 vues. Donc encore une fois, merci de ouf. Et voilà. Donc là, les prochaines vidéos, donc, il va y avoir un crash test. Il va y avoir les produits terminés. Et une honest review. Donc les honest review, comme son nom l'indique, c'est les revues honnêtes. C'est-à-dire que je vais vous lire en fait ce que le produit clame. Par exemple, celui-là, il clame de... Qu'est-ce que tu clames? Ouais, c'est pour détoxer, détoxifier plutôt, c'est mieux. Détoxifier le cuir chevelu et les cheveux, etc. Bref. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ben, je teste le produit. Et puis après, je vous en parle et je vous dis si oui, il fait un bel effet, si non, il sert à rien ou autre. Bref, d'ailleurs, j'ai presque fini un sérum de chez Action. Je suis deg parce que je l'aime trop. C'est ce sérum-là. Je l'ai presque fini et par contre, ceux-là sont trop chiants parce que on peut pas les terminer complètement. C'est-à-dire que là, la pipette, je sais pas si vous verrez, mais il en reste un fond. Et avec la pipette, je peux pas l'attraper, du coup, je suis obligée de le verser directement. Et du coup, j'ai un autre sérum, celui-là, que j'ai encore jamais testé. Celui-là, par contre, il n'y a pas de pipette. Alors, celui-là, je l'ai jamais testé. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Donc, il me semble que c'est aussi à l'algue. Il est comme ça. Je sais même pas si je l'avais senti d'ailleurs. Voyons, je vais le sentir. Oups! Bah vous êtes un peu bas là quand même. Ah! Il sent bon mais c'est léger. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup dans ces sérums. Celui-là, il sent très légèrement. Il sent presque rien même d'ailleurs. Et celui-là, c'est pareil, il sent très légèrement. J'aime beaucoup. Ça sent, je sais pas. Donc qu'est-ce qu'il dit? C'est un sérum protection au collagène marin. Voilà. Donc à tester et puis voilà. Donc celui-là, je pense qu'il y aura une honest review et vous le verrez du coup dans les produits terminés. Pas de suite hein, du coup parce que voilà. Parce qu'en fait pour les produits terminés, maintenant ce que je fais c'est que je garde 10 produits pour éviter que ça dure une éternité et puis qu'il y ait des trucs qui intéressent personne. Donc je garde 10 produits, voilà. Et une fois que j'ai les 10 produits, je fais la vidéo. Comme ça, je peux m'attarder un petit peu plus sur chaque produit. Je trouve que c'est mieux parce que voilà, je peux vous donner mon avis. Et si jamais j'ai fait des honest reviews, je vous les mets en fiche. Voilà. Donc celui-là a bientôt terminé. Donc je pense que je ferai effectivement une honest review parce que j'ai beaucoup aimé celui-là. Je trouvais qu'il rendait ma peau très belle. D'ailleurs, ma peau est plutôt jolie en ce moment, à part quelques boutons ici, mais ça c'est des boutons hormonaux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et aussi parce que je bouffe n'importe quoi. Donc voilà. Et celui-là, j'ai grave hâte de le tester en plus avec une pompe. Comme ça, je mettrai une pompe. Parce que là, je mets 5 gouttes. Et là, une pompe, c'est plus simple. D'ailleurs, j'ai updaté ma skincare routine. Donc si vous voulez que je vous fasse une skincare routine, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je vous montre comment j'utilise les produits, quel masque j'utilise, etc., etc., bah, vous pouvez me dire. Et puis pareil, je ferai. Mais après, je me dis si ça vous plaît pas, je le ferai pas. Parce que l'important, c'est que ça vous plaise quand même. Moi, ça me dérange pas de le faire. Mais c'est vrai que si ça vous plaît pas, autant pas le faire. Bref, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je vous montrerai du coup mes cheveux quand ils seront secs. Donc, je reviendrai ce soir, puisque je les laisse toujours sécher à l'air libre. Là, je vais peut-être faire un petit coup de sèche-cheveux, peut-être.
Donc voilà, je pense que je vais les laisser encore un petit peu. Je sais pas quelle heure il est là encore. Il est 3h. Donc je pense que je vais laisser encore jusqu'à 3h15 hein, à peu près, je pense. Du coup voilà. Bon, je vous laisse pour maintenant. Et je pense que je reviendrai de toute façon après pour montrer mes cheveux et vous dire si s'ils sont bien secs, s'ils sont gras ou pas. Bref, à toutes. Salut tout le monde. C'était pas vraiment prévu que je revienne là aujourd'hui, puisqu'on est le 19, donc on est le lendemain. Mais hier, j'ai complètement oublié en fait de revenir. Donc, je reviens maintenant en fait. Du coup, petit update vite fait. Je viens de le tester, je pense que ça va devenir mon nouveau favori parce qu'avec la pompe, c'est ultra pratique. Tu mets une pompe et c'est bon. Et pour mes cheveux, et écoutez, alors ça m'a pas réglé le problème de pellicule, j'en ai toujours autant. Je sais pas comment on ira à bout, mais bon, c'est pas grave. Et au niveau par contre des cheveux, ils sont ultra lisses. Vous voyez, ils sont brillants. Et ils sont hyper doux. Vraiment, ils sont vraiment beaux. Donc je pense que ça, je vais le refaire. Donc voilà. Et j'ai pas du tout les cheveux gras hein, au fait. Hein. J'ai fait un seul shampoing et j'ai pas du tout les cheveux gras. Ça a été hyper facile à rincer. Vraiment aucun problème. J'ai vraiment les cheveux hyper doux. Hyper brillants. Enfin, hyper brillants. Ils sont brillants. Ils sont pas hyper brillants, mais franchement, voilà, je kiffe. Donc je sais qu'il fallait que je revienne vous dire. Parce que hier soir j'ai édité le vlog et j'étais en mode mais t'es pas revenu? Qu'est-ce que tu fous? Et du coup bah ça je vous ferai de toute façon une revue là-dessus complète. Une fois que j'aurai bien utilisé, je vais l'utiliser pendant peut-être, je sais pas, un mois, un truc comme ça. 2 semaines, 3 semaines. Ma chaise ça graisse, elle grince. Mais du coup, ouais, je vous ferai une revue là-dessus. Mais je pense que ça va devenir mon nouveau favori. Parce que franchement, j'adore l'odeur. C'est une odeur hyper légère. Mais en même temps, genre avec la pompe, c'est hyper pratique. Bref. Du coup, voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici pour ces 2 jours. Enfin, cette journée plutôt. Mais je pense que j'aurai de temps en temps, je ferai quelques petits vlogs. Et les vlogs, je les posterai, je pense, le mardi. De toute façon, j'ai décidé de faire un truc. J'ai énormément de vidéos en avance. Et je pense que quand j'aurai par exemple, je sais pas, par exemple un haul action avec des nouveautés et tout que je vais vous poster assez rapidement, vous l'aurez le mardi, je pense. Voilà. Et les vlogs, ça sera pareil le mardi. Et si je veux faire des vidéos en plus, ça sera le mardi. C'est-à-dire par exemple les résultats des petits concours dans les vidéos, bah ça sera le mardi. Voilà. Parce que j'ai beaucoup 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 de vidéos. Pour vous dire, j'ai ce carnet là. Je vais vous montrer la feuille, enfin la page. Où j'ai écrit toutes les idées de vidéos à faire. Ça, c'est toutes les idées de vidéos. Ceux qui sont surlignés en jaune, c'est celles que j'ai déjà fait. Donc, comment vous dire que j'en ai énormément. Donc là, en fait, j'ai pas tout écrit, mais franchement, j'en ai vraiment beaucoup d'idées de vidéos. Donc, je pense que de temps en temps, je posterai soit un vlog, soit une vidéo le mardi. Mardi, je pense 14h aussi. Bref, du coup. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, comme ça. Et à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos, mes prochains vlogs, etc., etc. Sachant que les vlogs seront un petit peu plus intéressants par la suite, je pense. Parce que, comme je vous avais dit, je vais modifier des choses dans ma chambre. Je vais virer des meubles et tout. Enfin, voilà. Et puis après, par rapport à mon projet, ça peut être intéressant aussi. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et de bien cliquer sur toutes, parce que sinon vous n'allez pas les recevoir. Et ça serait con de vous abonner et de ne pas recevoir les notifs. Enfin voilà. Enfin, franchement, cette nouvelle mise à jour de YouTube, je trouve qu'elle sert à rien. Parce que quand tu t'abonnes à quelqu'un, c'est pour recevoir les notifs. Ça sert à quoi de s'abonner si tu ne reçois pas les notifs? Ouais, bon, bref. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Bye!